super attaquant et bon sur les transitions aussi. Alors ça passe ici. Attention, ce ballon qui traîne dans la surface, repoussé par la défense. Et heureusement, parce qu'il me semble que Kevin Debatty était battu. Perd son duel, c'est assez rare pour Yellowhausen. Mais derrière, Christian Bruls est là, Bruls qui va tenter de s'infiltrer. Hein. On réclame quelque chose, mais il a bien compris Christian Bruls, il n'y a rien, Machado est repoussé par Kevin Debatty. Bon, cette infiltration-là de Christian Bruls, qui reste solide, accompagné. Et bien là, on l'a vu sur cette faute. Et Serrani pour Bruls qui était disponible. Christian Bruls avec le pied gauche, attention, et ça finit au fond. Machado qui vient ouvrir le score et mettre fin à cette fameuse série de clean sheet du côté du RFC Liège. Trois matchs sans encaisser pour Kevin Debatty. Quand même, hein, ça faisait quelques minutes que ça commençait à être le feu dans la surface du RFC Liège. Christian Bruls qui a tout le temps de bien placer sa galette. Et résultat 0-1, Zulte Waregem qui mène et le RFC Liège qui va devoir courir après le score. Plus, ferme. Deuxième poteau, non, ça passe juste à côté. Le RFC Liège qui a fait trembler ses supporters. Un match qui doit être frustrant pour Bertaccini aussi. Hein. Touche très très peu de ballons, se crée très peu d'occasions et tire très peu au but. Attention Traoré en parlant de tir au but. Repoussé par les points de Debatty. Là où à gauche on trouve assez rapidement et facilement Brugman. Il y a pas mal de mauvais espaces pour aller trouver Cassio. Et le marquer maintenant serait évidemment le meilleur moment juste avant la mi-temps pour prendre l'ascendant psychologique. La tentative de Wilmot repoussée. Avec Dostilio, tous les ballons reviennent dans les pieds des Liégeois. La tentative et la tête de Tang. Ça met le feu dans le public. Le public liégeois. Et bien joué, Ladwilen. Pour venir sauver ce ballon avec Traoré. C'est du 3 contre 3. Faut jouer vite. Traoré pour Vossen au premier poteau. Et Debatty encore. Lorrain. On revoit ici. Avec ce centre de Traoré. Bon déplacement. Bertaccini, la tentative, Ortwin de Wolf. Et c'est le premier tir cadré de Bertaccini. Il répond bien présent. Même s'il y a une main de Mouchan. On va laisser l'avantage. Attention, Ndour qui est parti face à Debatty. Et ça finit au fond. Le but du break pour Ndour qui vient un petit peu éliminer hein, tous les espoirs du RFC Liège. Il reste 20 minutes, certes, tout est possible. Mais il vient d'encaisser ce but au pire moment. Hein. On revoit hein, ici la phase. Tout part de cette perte de balle de Mouchan. Et puis derrière, hein, Nour, il était parti. Bonne passe de la part de Yellowhausen. Qui certes, pour le moment, n'a pas encore marqué de but. Mais pourtant... qui s'est déjà montré décisif. Du match face à Ostende, c'était Tang, un exclu aussi lors du match face au Young Genk. C'était Tang Bédou, attention Ndour, est-ce qu'il va s'offrir un doublé? Non, pas ici en tout cas. Et le voilà, le coup de sifflet final de cette rencontre entre le RFC Liège et Zulte Waregem, le RFC Liège qui...